Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se trouve pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous parler du site internet Wish vis-à-vis de la terrariophilie. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le site internet Wish. C'est un peu comme AliExpress et d'autres sites internet. On peut y trouver des choses super intéressantes comme des choses pas du tout intéressantes. Il y a des pour, il y a des contre. Cette vidéo-là va être sujet à débat et justement, c'est ce qui m'intéresse. Que vous partiez dans un débat assez sympathique dans les commentaires pour me dire vraiment ce que vous pensez, les pour et les contre. Alors, suite à un message d'un abonné, tu te reconnaîtras, bisous à toi Wilfried, pour pas te nommer, voilà, au moins tu seras content, je te fais de gros bisous. Un abonné qui m'a envoyé un mail, qui m'a contacté pour me dire qu'il avait eu des gros problèmes en achetant sur Wish un tapis chauffant qui s'est mis à fondre dans son terrarium. Lui, il s'en est rendu compte parce qu'il y a eu des vapeurs ou il y a eu des gaz ou une certaine odeur de cramé. Il était chez lui, heureusement. Tout son appartement aurait pu prendre feu ce jour-là. Il n'y a pas de garantie derrière. Je ne sais pas s'il peut porter plainte ou faire quoi que ce soit là-dessus. Mais il m'a demandé de faire une vidéo de prévention là-dessus. Donc, je préfère t'en parler directement parce que je trouve que c'est une super idée. Donc, je vais te dire qu'est-ce que je pense des sites internet comme Wish, comme AliExpress et d'autres sites comme ça où on commande en Chine pour avoir des produits beaucoup moins chers qu'en France. Son Peter Regis est malheureusement mort à cause de ce tapis chauffant. Je pense pas qu'en fait, d'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'il a compris lui aussi, le tapis n'aurait pas cramé toute la structure du terrarium. Le tapis a fondu sur lui-même, mais ça a fait des genres de gaz, de vapeur, qui le serpent il a dû inhaler ça et ça l'a fait crever. Donc, résultat, un serpent de mort, un terrarium foutu en l'air, un tapis chauffant complètement fondu et un gros risque d'incendie chez lui entraînant la mort de plusieurs animaux et peut-être même dans les cas les plus dramatiques, ça aurait pu même causer sa mort à lui ou un membre de sa famille ou quoi que ce soit d'autre. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. C'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo. Il m'a contacté par mail, il m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet et je pense que c'est très important. Il y en a beaucoup, ils ne touchent pas énormément d'argent, il y en a, ils n'ont même pas la chance de pouvoir travailler, il y en a, ils n'ont pas d'aide ni rien, ils se font ponctionner par l'État. On est tous, on a tous des galères, plus ou moins différentes, bien entendu, mais on est tous plus ou moins dans la même merde à la base, hein, parce qu'on est dans le même pays, on se fait taxer de différentes manières, mais on est tous dans la même merde. Sauf qu'il y en a, ils sont dans une merde un peu plus profonde que d'autres, parce que ces gens-là n'ont pas de travail, ou ils vivent de certaines aides, ou ils ont vraiment du mal à s'en sortir, même avec un travail, parce qu'ils payent tellement de charges, d'impôts, de nourriture, de ci, de ça, qu'à la fin, ils n'arrivent même plus à joindre les bouts, à se faire plaisir ou quoi. Il y a certaines personnes qui se sont lancées dans la terrario il y a quelques années et qui aujourd'hui n'ont pas la même situation qu'il y a quelques années en arrière. Ils ont du mal à joindre les bouts et ils ont les animaux derrière. Donc on est tous des humains, on essaie de trouver des solutions la moins chère possible à faire des économies le plus possible. Voilà. Et du coup on peut avoir dans l'idée de se projeter sur des sites internet donc étrangers comme les sites chinois pour pouvoir acheter du matériel beaucoup moins cher qu'en France. Seul problème, c'est que forcément, c'est pas toujours de la bonne qualité, ça reste du chinois. Là où j'ai vu la vraie grosse différence, c'est au niveau des prix, notamment sur le matériel pour les motos. C'est vrai que quand on achète un rétroviseur, un phare, un ci, un ça, sur Wish, c'est exactement la même chose que dans les concessionnaires où je vais, sauf que le prix est beaucoup plus intéressant. Ouh là là là, je suis dans des sujets qui fâchent énormément. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter sur Wish des choses qui valent pas du tout le coup, qui ne s'adaptent pas du tout à ce que je voulais. Et c'est une catastrophe. On joue, on gagne, on joue, on perd. Il y a tout ce qui est éléments de décoration. Je vois pas où serait le problème. À la limite, on fait un petit nettoyage, on rince à l'eau chaude, on fait ce qu'il faut. Et après, dans la terrariophilie, je pense pas qu'il y ait de problème pour tes éléments de décoration. On peut retrouver aussi certains substrats de la vermiculite, des conneries comme ça. Bon, là, franchement, c'est à tester. Il faut voir ce que ça vaut. Moi, personnellement, à partir du moment qu'il y a un risque de mettre en danger nos animaux en captivité, j'évite tout risque. Donc, je ne commanderai pas. Là où vraiment ça peut être, on va dire, intéressant, c'est au niveau des tapis chauffants, des thermostats, des thermomètres, des choses comme ça. Et c'est là que vraiment ça fait flipper. Les thermostats, alors je vais m'expliquer sur les thermostats. Les thermostats, ce n'est pas forcément fiable.
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est comme les thermomètres. Moi, les thermomètres, j'avais déjà testé plusieurs thermomètres chinois et ça vaut pas toujours le coup, hélas, parce que tu vas acheter quatre thermomètres, tu as quatre températures différentes. Donc, si tu cherches un petit peu une précision, surtout pour un incubateur par exemple, là, tu as tout faux. Les thermostats, c'est pareil. Imaginez s'il n'est pas au top, s'il est un petit peu défectueux ou quoi que ce soit, comment on fait? C'est-à-dire qu'il peut se mettre à chauffer excessivement ou ne pas chauffer assez sans que tu puisses t'en rendre compte. Cette vidéo est plus une vidéo de prévention, mais c'est très important pour moi que vous me dites directement si vous avez déjà commandé sur des sites comme ça à l'étranger, ce que vous en pensez réellement et s'il y a eu déjà des problèmes, des retours, etc. Après, comme je vous l'ai dit, pour les terrariums et les éléments de décoration, pourquoi pas tester, nettoyer bien au préalable et devrait peut-être pas y avoir de soucis, enfin je pense pas. Je pense que cette vidéo est très importante parce que plusieurs fois on m'a demandé de tester des produits sur des sites en ligne. Alors j'ai pas forcément les sous pour acheter des produits que je vais pas me servir pour pouvoir les tester. Si c'est pas fiable, je vais faire quoi? Jeter à poubelle et si c'est fiable, ben à la limite je vais faire gagner. Ça peut être une solution ça, faire des concours. Personnellement, je ne pourrais pas dormir sur mes deux oreilles en achetant un tapis chauffant sur Wish. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement en commentaire. Tu le sais très bien que je lis chaque commentaire et je réponds dès que possible à certains d'entre vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!